Salut! Bonjour! Assis-moi. Elle est là-bas la caméra. Ça va être très dur. Ah. Voilà, aujourd'hui, on va faire un test d'intelligence pour chien. C'est Squeezie qui l'a lancé ce test-là avec son chien. Et donc j'ai trouvé ça très marrant et je me suis dit que j'allais le faire avec mon chien donc. Elle s'appelle Molly et elle aime pas du tout la caméra, on dirait. Allez, mets-toi à l'endroit en fait. Hein? Ça va être long, Molly, hein? Hein, ça va être long. Hein, mon chien, ça va être long. Allez, tente-toi. Debout, allez, debout. Voilà. Ah, c'est bien, là. Voilà. Comme ça. Vous voyez, elle est belle. Un gros chien, ça. Il te manque un truc. Pour convoiter une fille. Voilà. Là, elle est pas mignonne? Ah, t'es belle, mon chien. Avec sa petite fleur, hein? Hein? T'as pas l'air d'aimer. Ça fait pas partie du test, ça. Allez, je te l'enlève, je te l'enlève. Voilà. Le premier test, donc, ça va être de lui jeter la serviette sur la tête. Et si elle met moins de 30 secondes pour l'enlever, ça veut dire qu'elle est intelligente. Hein? Enfin, ça veut dire qu'on part bien, on commence bien. Ah, aidez-moi! Bien, pas bouger pour lui. Tout gentil, tout gentil. Attention, c'est parti. Bon, j'ai pas regardé, mais en vrai, ça fait à peu près 10 secondes. Donc c'est bien, premier test réussi, mon chien. Oui. Allez, on continue comme ça. Bon toutou, ah le Chewbacca. Donc, maintenant, le deuxième test, ça va être de mettre une friandise sous la serviette. Je vais lui faire sortir la friandise. Moi, je prends du saucisson parce qu'elle aime bien le saucisson. Hein. Oui, regarde ça. Merci. C'est quoi ça? Hop, pas touché, pas touché. Je vais le mettre sous la serviette. Et il va falloir qu'elle arrive à l'enlever pour le manger. Pas touché. Allez, vas-y, mange. Allez, cherche. Allez, mange. Merde, je peux pas garder le temps. Ça va faire 20 secondes. Allez, cherche. Dessous la serviette. Non, là, tu pourras pas le manger. Elle essaie de le manger par-dessus la serviette, c'est sûr. Elle mange la serviette. Merde. J'avais pas prévu ça. J'aime bien cette serviette moi quand même. C'est pas comestible une serviette Molly. Ça ne se mange pas. Tu vois? Attends. Ah, est-ce qu'elle est dessous? Bon, on va essayer de recommencer vite fait. Assis, assis. Très bien. Pas bouger. Attention. Pas toucher. C'est gentil mais. Attention. Eh, vas-y, mange. Elle l'a eu? Bon, ça sera pas le maximum de points. Donc là, le maximum c'était 3 points. Et là, on va mettre 2 points parce que bon, t'as eu un premier essai, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Okay. Donc pour l'instant, elle a 5 points sur 6, on va dire. C'est pas mal. Hein, on est bien là, on est bien. Et si vous vous demandez ce que c'est un brigard comme chien. C'est très gentil les brigards. Un deal. Donc on va faire le troisième test. Alors je vais mettre une friandise sous une espèce de table. Donc je vais m'arranger, je vais prendre des livres avec une planche. Calme-toi Molly, calme-toi. C'est un test d'intelligence, je te rappelle Molly. Hein? Là tu fais pas très intelligente. Elle me cherche les puces. Mais j'ai pas de puces, je te l'ai déjà dit. Bon, je prépare tout ça et on va voir si elle est intelligente. Allez, mon chien. Voilà, donc, je vais mettre ça là. Tac.
avec. Oh, elle est pas mal là. Je crois qu'elle est pas futée, hein. Assis. Pas bouger. Regarde. Attention. Tu regardes, tu sens. Attention. Et je mets le saucisson ici. Allez, va chercher. Bon, normalement, c'était pas censé tomber, mais elle a mis moins de 10 secondes. On peut dire qu'elle y a été à la bourrin. T'as pas marre de tout casser, hein? T'as pas marre, franchement. T'as pas marre de tout casser, hein? T'as la pompe. Bon, bah, ce test réussi, hein? On enlève tout ça. Troisième test, c'est bien, et pas complètement, hein? Pas complètement débile. Bon, pour l'instant, on est pas mal, hein? Faudra qu'on compte à la fin combien t'as eu, Molly, mais franchement, on est pas mal. J'en ai pas de soucis. J'en ai pas, regarde. Voilà. L'autre test, donc moi j'ai pris des verres de bière pong parce que j'aime bien le bière pong. Donc là pour le début, on a besoin que d'un gobelet. Donc je vais mettre le saucisson dessous et je vais voir si elle arrive déjà à enlever le gobelet avec sa patte. Aïe! Le bout de saucisson, attention, Molly, tu le vois? Tu le vois le bout de saucisson? Tu le vois? Pas touché! Pas touché, pas touché. Je sens qu'elle va tout bourriner. Attention, allez, allez, mange. Eh bien, cherche. Regarde. Vous voyez là. Regarde. Tac. Non, il est pas dans mes mains. Regarde. Non, pas touché. Regarde. Molly. Allez, mange. Celui-là, je crois qu'il est chaud. Hein. Ah, elle fait tomber ce gobelet là. T'as jamais joué au bière pong ou quoi? Ah. Ah, je sais pas si on verra, mais elle vient de l'avoir. Non, c'est bon, il n'y en a plus. Ah, si, Molly. Très bien. Ou coucher. Coucher, c'est pareil. Donc là, je mets 3 gobelets. Là. Ah oui, il faut les mettre à peu près à 30 cm chacun. Donc un là. Là, et là. Pas touché. Hein. Tu sens? Et là. Là, y'a rien. Là, y'a rien, ok? Voilà. Et là, je la sors 30 secondes. Après, elle revient. Hop, 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 hop. Tricheuse, va! Petite canaille, hein? Oh. Donc là, je la sors 30 secondes. Je reviens après. Et on voit si direct elle tombe dessus. Molly, allez là. Allez, viens. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, cherche. Mais oui! Le test est réussi! Et en plus, elle a eu le saucisson. Ça, c'est mon toutou. C'est bien, hein? C'est un bon chien, ça. Bon chien, t'es intelligente. Bah alors, elle est balèze. C'est bien, ça, hein? T'as vu, il neige. Bon, bravo, en tout cas, Molly, je suis fier de toi. Non, c'est bon, il y en a plus là-dessus. Pas folle, hein? Elle est pas folle. Donc, j'ai fait le total des points. J'ai trouvé 10 points. On peut l'applaudir? Donc voilà, 10 points, parce que bon, il y a un moment, elle aurait pu avoir genre 4 points pour l'exercice où il faut qu'elle enlève avec la patte, mais elle l'a fait avec le museau, enfin, elle a tout dégagé en fait. Donc j'ai mis 3 points. C'est un bon chien ça, t'as eu 10, hein? Moi j'arrivais pas à avoir 10 au lycée, sur 20, sur 13. C'est excellent même, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'embrasser, c'est ça? Ah non. En fait, elle a pas 10.
J'ai dû mal compter, hein. Je crois qu'elle a 1 plutôt. T'as 1, c'est ça? Donc j'ai compté 10 points, donc ça veut dire que Molly, tu n'es pas un génie canin, parce que ça c'était de 11 à 12 points. De 8 à 10 points, donc c'est ce que tu as Molly, là. Regarde, ça se voit, hein. De 10 points, tu es un bon élève de centre de dressage. Félicitations.